Je suis vraiment désolé, je sais que c'est stupide, mais j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que leur gare s'appelle littéralement Station Centrale Station. Redondance pour la victoire? Probablement. Et ouh. Joli. Bonjour tout le monde, ici Jade, et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Kingdom Hearts 2. Dans le présent épisode, nous avons enfin pris le contrôle de Sora, avons exploré la cité du crépuscule, et c'est presque tout. On a tabassé du simili, on a vu le roi Mickey très brièvement qui nous a donné du fric, et puis maintenant on nous a dit de prendre le train. Mais avant ça, nous avons de la lecture. Alors on a aussi des nouveaux objets, mais pas chez Sora. La boule de cristal et la bourse. Je vois pourquoi on l'a encore, parce que normalement on vient d'utiliser l'argent qu'il y avait dedans, et c'est vraiment, il devrait être vide, mais bon. Mais bon, importe, car nous avons dans le carnet des tonnes de trucs à lire, sans qu'on ne doit pas lire. Mais nous allons quand même aller lire les rapports d'Ansem, ou plutôt le rapport secret d'Ansem 2. J'ai commis une grave erreur. Mon expérience sur les ténèbres du cœur devait être un simple test psychologique, mais c'est finalement transformé en un projet délirant. Influencé par Yenzo, mon plus jeune assistant, je vais construire un énorme laboratoire sous le château. Waouh, il va avoir une vache grosse influence sur toi, dis donc. Sans m'en informer, mes 6 disciples y ont multiplié des expériences sur de nombreux cobayes, et tu as raté le fait que 6 personnes faisaient des expériences sur des cobayes communs. J'ai donc convoqué ces chercheurs rebelles, et leur ordonné non seulement de cesser leur activité, mais également de détruire les résultats de leurs enquêtes. Mes 6 disciples avaient terriblement changé. L'étude des ténèbres aurait-elle corrompu leur esprit? Quoi qu'il en soit, je suis le plus coupable. Jamais je n'aurais dû me lancer dans ces expériences. Quelle que soit sa motivation, nul ne devrait se mêler du fonctionnement du cœur des autres. Alors que j'ai espéré face à mon inconscience, un être d'un autre monde est venu à moi. Ce petit roi nommé Mickey m'a consolé. Il possédait la célèbre Keyblade, capable d'engendrer la paix comme le chaos. Sa connaissance des mondes était basse et nos nombreuses discussions firent de nous des amis. Il me conseilla d'étudier les recherches de mes disciples rebelles. Au laboratoire, j'ai découvert les rapports d'Ansem, un document portant mon nom, mais dont je n'avais écrit que le premier numéro, le texte 0. C'est Xehanort, mon élève déloyal, qui a rédigé les chapitres 1 à 8. Ce qui est supposé nous expliquer que tout ce qu'on a lu dans le premier Kingdom Hearts, à l'exception du chapitre 0, eh ben c'était un certain Xehanort qui l'a écrit. Ce n'était pas Ansem. Il y a pas mal de trucs bizarres là-dedans, mais on va pas s'arrêter dessus. On va cette fois-ci cependant aller dans la gare et on va prendre le train. Ok. Ok, let's go. Bye. Hey, Sora, you sure we haven't met before? Positive. Why do you ask? I don't know. Huh? You okay? Yeah. Don't know where it came from. Pull it together. Right. See ya.
I'm sad. We'll be back. Yeah, we can visit Hayner and those guys again. Il faut admettre qu'ils ont un flegme étonnant. Leur train vient juste de se téléporter, mais nos problèmes. Guess that's that. Let's go. Go where? It's not like we have homes to return to. We don't exist, remember? Yes, it's true. We may not have homes. But there is some place I want to go. And someone I want to see. Same here. So, you think you might let us go? I know you're here to get rid of us, but... Diz wants to get rid of me? Go. You sure about this? I owe you both. For what? Castle Oblivion. You helped us. You don't have to tell me twice. Thank you. There goes our ride. Bah c'est normal, non? C'est pas ça ce que font les trains, normalement. Donc bienvenue dans... J'ai pas vu à fond dans la zone. La tour. Waouh. Maintenant, il faut qu'on en trouve une deuxième, et puis on a... un livre d'une trilogie. Nous avons quelques objets qui traînent ici ou là, mais j'ai fait attention en les récupérant, car j'ai peur que ça active une scène. On va d'abord déjà parler à vous. Tu l'as dit, Buffy. Il y a quelqu'un à l'entrée de la tour. Règle numéro 1 des aventuriers, rassembler des informations. Vous êtes sûr que vous pouvez pas juste regarder ce type et deviner qui c'est? Parce que ça semble facile. Je sais que j'ai déjà joué à ce jeu et que par conséquent je triche, mais quand même. What's going on? I sent some of my lackeys inside to see if the master of this here tower's as big and tough as they say. Word is, he's a real powerful sorcerer, which would make him the perfect bodyguard for me. See, it don't matter how tough he is. Once he's a heartless, he'll do as I say. A heartless? That's right. They're those things that come out of the darkness in folks' hearts. Why, with all those heartless at her side, my dear friend Maleficent is gonna conquer everything. And since I got me a debt to pay, I'm going round to a bunch of different worlds and building an army of Heartless, special for her. Oh, why am I talking to you pipsqueaks anyway? Go on, Scram, I'm behind schedule as it is. You ought to find something nicer to do.
Oh, says who? Huh? Oh, it's you! Pete? What are you two Nimrods doing here? What are you doing here? You know him? We sure do. Pete's been causing trouble for ages. His Majesty banished him to another dimension a long time ago. I wonder how he escaped. You want to know how, eh? Well, Maleficent busted me out, that's how. And now your world, no, all the worlds, are gonna belong to yours truly. Cause Maleficent's gonna help me conquer them. Maleficent? Huh. Oh, what are you laughing at? Why, Maleficent's power is so great that... She's toast. Huh? Sorry, but Maleficent can't help you now. What do you mean? You! So you're the ones that did it! Well, we might have had something to do with it. Heartless Squad, round up! Mais que peut-on espérer faire contre cette horde de sans-cœurs? Donc voici nos premiers sans-cœurs, c'est un peu les Goombas du jeu. Peut-être légèrement plus dangereux quand même. En groupe, ils peuvent quand même faire mal, mais Donald fait de solides dégâts avec... Poudre? J'ai pas eu le temps de faire grand-chose en fait. You just wait. Nobody, and I do mean nobody, messes with the Mighty Pete! So, Mighty Pete, who lives in this tower anyway? Oh, you don't know, eh? Well, it's old Yen Sid. Of course, he's probably a heartless by now. Master Yen Sid lives here? Yen Sid is the king's teacher. Wow, sounds powerful. Et bon. Un éther. Un éclat de mithril. Et un canard. Comment tu sais que ça fait un an? J'aurais jamais cru rencontrer Pat ici. Il n'y a donc pas que notre monde qui l'a fait des siennes. C'est inquiétant. Oups. Ouais, eh ben c'est Pat Higulaire, que voulez-vous. Et puisqu'on a tout récupéré, autant monter directement au sommet de cette tour et rencontrer ce fameux Sid, Disney, je veux dire Yen Sid. Cependant, avant, nous aurons des combats. Et pour quelqu'un à qui j'ai mis de temps en temps pour la foudre, dis donc, tu t'as pas des stations à lancer. Enfin. Je ne vais pas m'en plaindre. Tout à l'heure, c'était un gros combat et il a fait des du sacré bon travail, pourrait-on dire. Donald n'est pas nécessairement mauvais en tant que tel. Le problème, c'est que c'est supposé être un pur mage noir. Avec un... Enfin, plutôt mage rouge, je suppose. Même si c'est la seule chose qu'il a, c'est soin. En plus de, je veux dire, de non-magie noire. Mais le problème, c'est que une fois qu'il est à court de MP, la seule chose qu'il peut faire, c'est taper manuellement. Et ce serait mieux s'il y a se contenter juste de fuir les combats jusqu'à ce qu'elle récupère ses MP. Et je suppose qu'ils estimaient que être... enfin, le voir tomber KO est moins gênant que le voir juste rester à rien faire, mais... J'ai l'impression de lui avoir demandé d'être moins utilisateur de Donald Food pour rien. Bon, après, on me dirait si c'est sa seule option, c'est sa seule option. Oh, enfin bon. C'était très dur. Il nous a envoyé tout ça pour une flèche qui monte. C'est pas merveilleux. Il n'y a rien d'intéressant ici, donc nous ne pouvons que continuer vers le haut, en direction de l'histoire. C'est une tour très inintéressante, hein. Je veux dire, si j'en étais l'architecte, j'aurais vraiment honte.
Alors je suis d'accord que les escaliers viennent un peu d'une autre dimension et utilisent des portails et ce genre de choses, mais quand même, oh, force et défense. Et je veux juste vérifier, tenez quelque chose, compétence? Non. Sora? Eh, j'ai... C'est 9 PC, mais je commençais avec 6 et je suis... avec 3, je suis... Peut-être que c'est 1 PC par niveau. De base, j'entends. Et que je peux en gagner un autre si, je sais pas, je m'en fiche. Oh non, nous avons un nouveau sans cœur. Le soldat. Je vais pas m'ennuyer à expliquer leur PV, parce que en fait ça dépend de leurs statistiques, et leurs statistiques changeront de monde en monde. Je vais pas non plus m'ennuyer avec les objets qu'ils lâchent, il y aura des vidéos, comme dans le premier, qui seront dédiées à ça à la fin du let's play. Mais... Et là, j'aurais pu faire un cyclone, mais je ne l'ai pas fait parce que je suis nul. Voilà, ils ont des commandes réaction, ce qui signifie que régulièrement, voilà, vous aurez la possibilité d'appuyer sur triangle pour faire une attaque en réaction de ce qu'ils font. D'où l'intérêt de commande réaction. Mais... Well, it's a good thing we're on the job then. So, the worlds aren't at peace after all? Et ben non. Tout le travail que nous avons fait dans le précédent jeu n'avait aucune importance. Enfin, je veux dire, on a évité qu'un mégalomane ne prenne le contrôle du monde. Mais ça s'arrête à peu près là. Vous êtes un tout petit peu plus dangereux là-bas. Je me souvenais pas que j'avais aussi peu de dégâts au début du jeu. J'ai l'impression de faire zéro. Mais ouais, les commandes réaction, tout ça. Tout ça. Et nous avons eu un éclat de vitalité en tuant ce truc, ce qui est... Je sais pas si j'en du 3% ou du 4%, la vache. La chance est avec moi. Ah, ah, ah. Donc ouais. J'hésitais à montrer ce que c'est, mais sincèrement, on en parlera quand on sera à une forge. Master Yedzid, it's an honor. Hey there. Sora, show some respect. So, you are Sora. Now then, have you seen the king yet? Yes, we did, Master, but we didn't get a chance to talk to him. Yes, the king has been quite busy of late. Therefore, it would seem that the task of instructing you three falls upon my shoulders. You have a perilous journey ahead of you. You must be well prepared. You mean, we have to go on another quest? I was looking forward to finding my friend Riku, so we could go back to the islands. Yes, I know. However, everything in your journey, Sora, is connected. Whether you will find your way home to the islands, whether you will return alone or with your friend, and whether or not the islands will still be there. And the key that connects them all is you, Sora. I'm the key? Chosen wielder of the Keyblade. You are the key that will open the door to light. This book contains valuable knowledge you will need for your journey. Study it carefully.
Once you have finished, we will speak of the enemies you will surely confront. Cool. Normalement, t'es supposé être dans une taverne, mec. T'es pas en haut d'une tour, ça c'est le niveau 2, mais bon. Première chose cependant, gros coffres qui contiennent en général soit un bon objet, soit le plan. Ce qui est très utile quand vous avez fini la zone, mais bon. Je suis sûr que lire un livre antique va nous permettre de comprendre ce qu'il s'est passé pendant qu'on dormait, oui. Merci, Donald. Drôle de tour, je me demande qui l'a construite. Règle d'or du bon aventurier, inspecter les lieux inconnus de fond en comble. Et que t'as avec les aventuriers tout d'un coup, t'étais pas comme ça avant. Et t'es pas comme ça après. Et qui l'a construite? Probablement Yen Sid. Je veux dire, c'est... Faut être un très mauvais architecte ou un... Ou pas un architecte du tout pour construire un truc qui semble se contenter d'avoir des deux paliers. Enfin, un rez-de-chaussée, deux paliers et genre deux pièces en tout. Parce qu'on a celle-ci, on a l'autre. C'est la pire tour du monde. Peut-être même du multiverse. Désolé, je marche sur ta table. Ce qui est dans ce livre est bon à savoir. Pense à le lire. Je vais relire le livre, désolé, je pensais pas que c'était pour finir. Que veux-tu lire? Rien. Ma partie préférée. Le commencement, l'intervalle, l'avenir. Le commencement. Au commencement, il n'y avait rien. Tout bel effet de rencontre, qui elle-même appelle les adieux, c'est un adieu d'un œil à un nouveau départ, les mondes ouvrent leur cœur. Élus de la lumière ou prisonniers des ténèbres, les amis restent liés, même si leurs chemins sont différents. Si tu doutes de la voie que tu as prise, ou si tu as perdu la main que tu étreignais, renoue avec ton cœur d'antan. C'est en lui que se trouvent les réponses. Ça n'a absolument aucun sens, mais je m'en moque. Nous allons lire l'intervalle. Allons au rêve, de tristes adieux en suspens dans l'entre-monde. Où finit la réalité? Où commence l'illusion? La voie que choisira l'élu le conduira à sa mémoire. Si tu es ballotté par le cours du temps, remémore-toi ton parcours. Toutes tes incertitudes te disent... Ça sert à rien! Ça m'en rend rien! Je veux dire, j'ai joué à ce jeu au moins 3 fois. Et ça n'a aucune utilité. Ou peut-être que c'est vaguement intéressant si vous êtes en train d'essayer de piger toute l'histoire entière et complète de Kingdom Hearts, ce qui implique de se tirer 2 balles dans la tête pour commencer enfin à en faire le moindre sens. Passons. Cette bataille née du chaos prendra-t-elle fin un jour? Elle revêt différents sens pour différentes personnes. La vérité sera-t-elle cachée? Les arguments sont précaires, mais les souvenirs, eux, sont fiables. Non, en général, les souvenirs, c'est la dernière chose fiable. Livre-toi sans crainte à leur flot apaisant. On sort d'un jeu où nos souvenirs ont été manipulés et trafiqués, donc non. Alors ton sommeil passage s'arrivera et sera un nouveau départ. Ce livre est nul. Vache. Merci, Yen Sid. Non, je suis pas... Non, c'est bon. C'est cool. Wait a sec. How come the Heartless are still running around? Your past endeavors did prevent an immense effusion of Heartless from the Great Darkness. Make no mistake about that. However, the Heartless are darkness made real, and darkness yet lingers in every heart. The Heartless are fewer, but while darkness exists in a single heart, it will be difficult to eliminate them. Gorge, that must mean if everybody's heart was full of light, them Heartless would go away. Now, it is time to speak of the enemies that you will encounter. If one such as you, Donald, yields to the darkness in their heart, they too will become a Heartless. But you know this. The Heartless are always lurking and ever seeking to capture new hearts. Never let your guard down. Now then. Enter.
At times, if someone with a strong heart and will, be they evil or good, becomes a heartless, the empty shell they leave behind begins to act with a will of its own. An empty vessel whose heart has been stolen away. A spirit that goes on even as its body fades from existence. For you see, no bodies do not truly exist at all. No bodies may seem to have feelings, but this is a ruse. They only pretend to have hearts. You must not be deceived. No bodies. They don't exist. Now then, the being you see before you is known as a Dusk. They are the most common form of nobody. But there are others, some larger, some with frightening and unique powers. Be vigilant. On your journey, you will meet an alarming number of Dusks. They will all attempt to do you harm. Still, they are nothing but empty shells destined to return to darkness. But... the beings you see before you now are different. These powerful nobodies have formed a group called Organization 13. It commands the lesser nobodies. Organization 13. While heartless act on instinct, nobodies function in a higher manner. They can think and plan, and it seems they are working towards a goal. What that goal is, we do not know. The king sensed the danger and journeyed forth to fight it. He found the Dark Realm's Keyblade and with it closed the door. Now he's traveling from world to world, fighting the Heartless as he seeks the answer to the riddle of the Nobodies and Organization 13. Then I guess we better go find the king first. But where could he be? Well, we won't know till we look. Yeah, and the king must know where Riku is, because the two of them were together in the Realm of Darkness when we closed the door. You know, after defeating Ansem. So, before you go, you will need more suitable traveling clothes. Those look a bit too small for you. Through there, you'll find three good fairies. If you ask, they'll create for you appropriate garments. Gorse, Sora, you sure are growing fast. I guess. C'est une bonne chose que tu avais pris des chaussures de pointure 47. Ça aurait pu être gênant. Cependant, je pense que nous allons aller voir les trois bonnes fées dans le prochain épisode, parce que... ouais, Même si j'ai dit que ça me gênait pas qu'il y ait encore un petit peu de temps, vu qu'on est encore dans la partie gros baratin, j'aimerais quand même éviter qu'il dure 35-40 minutes. Donc, je retrouverai la prochaine fois pour que nous puissions avoir des nouveaux vêtements. Wow, c'est pas très épique quand on y pense. On trouvera mieux la prochaine fois. Donc d'ici là, ciao.